chicas, hola chicos. On est à Valencia, on parle absolument pas espagnol, je comprends rien à ce qu'ils disent. Mais en tout cas on est là, on va avoir des trucs assez fun dans le vlog. On aura les soucis capillaires, là du coup c'est le futur, hein. J'ai déjà eu les problèmes. On aura des champions du monde, des doubles champions du monde en PLS total qui vont se faire, vous verrez, des trucs bizarres. On aura des finales paladins à quasiment 400 000 spectateurs. Du lourd, du fun, des gamelles, du drama, c'est parti. Guinness. I don't know. Ah, vale. Comment fais ça? Vraiment? Ouais. C'est ça? Ok. C'est ok. Ok. Big mistake. Bon, on se fait du coup un coiffeur en Espagne. C'est parti. Yeah! Du coup, le coiffeur espagnol, ça donne ça. Donc, c'est plus court. Yamin with the kill! One more shot, do it! Can't get to the sky! This guy's dead. There's help from Yamin in the sky, immune for the moment, but not forever! Arkel in trouble from a distance! Zero's in trouble! No, he's gone! Dimmy gets credit! Backwards goes adapting! There's a chase! QO Fred answers back! It's one down, one down! Waouh, c'était ouf, il y avait l'équipe énergie, du coup les doubles champions du monde avec Adapting, hein, le joueur le plus fort de Smite, qui dominait de ouf, ils ont pas réussi à finir, les dignitaires sont temporisés de ouf, et à la fin ils ont catché deux mecs et ils ont fini en un seul coup. À tout moment les doubles champions du monde peuvent perdre maintenant en demi-finale, c'est ouf, franchement c'est ouf. Dimmy in trouble, gets flipped up by the Sonic. QO Fred gets aggressive alongside Rapper. QO starts it off, Dimmy goes down, that's a big deal. Leaping down and explode, tosses out the ultimate light. The Sanchez and the ultimate out of the Hunter. But everybody's gonna engage. Yamin from a distance, we'll see you later. Arkel takes down one shot. Him. Three players down, surrender vote is started, QO Fred puts four, ladies and gentlemen, Dignitas take down the defending world champs, we'll see them in the finals. Insane, les champions du monde viennent de perdre 3-0 contre les Dignitas, des games méga serrés, c'était tendu, ils devaient être au fond. Double champion du monde, ils auraient 3-0 en demi-finale, c'était ouf. Du coup la demi-finale... Lire ta main, elle me fait chier, merci. Ok. Désolé. La demi-finale paladin était plus serrée, il y avait un 2-2. À la fin, il y a eu une Kinessa, j'ai eu le cœur brisé. Elle a malheureusement pas réussi à remporter la game. Le restaurant est incroyable. Et encore là, on est 41. Donc le plat principal, ça va être ouf. On a pris une paella, mon pote. Je pense rien que j'ai vu la paella là-bas, je me suis dit, ok. Vous voulez qu'on partage une paella? Vous avez dit, ouais, d'accord, on va prendre une paella. Et du coup, moi j'ai pris au riz noir. Du coup, il est un peu au fond de sa vie. Ça va être tellement bon, j'ai vraiment hâte de goûter. Et t'as voulu faire le mec en disant ouais, viens, on mange une paella, tu m'as laissé choisir. Bah, c'est une bonne idée, en gros, ils mettent une paella, ils mettent du pétrole dedans et ça fait du paella noir, c'est vachement bon. Franchement, les gars, l'hôtel 5 toits il est pas mal. Le problème, c'est que la baignoire, vous allez voir, ça fait pas du tout. T'as aucune place, tu fais rien dedans? Dernière journée à la tournée Valencia de compétition. Aujourd'hui c'est les finales de Paladin notamment, donc on va aller voir vraiment la finale. Restez là, je vous montre tout ça. Et
The Heisman coming in. He walks off with a really big King Bob, able to find two, looking for a triple kill. Can he get it? He finds it! And the Hexafire right on the backside! It finds two as Evil Eye converts the kill! Trying to get the damage on, finding a lot onto Inara, and still has the angle! The Emitter pops up just to keep him alive, and now Aerial Assault jumping back and forth! It's enough, and the push is successful! Oh, King Bob is also coming, and it explodes right on impact on Evil Eye's face to say no thank you, but Dosup responds back, and they can still contest the 30% movement speed! He finds himself a double! Very low on health, and there's a lot of danger of falling. Oh, and Evil Eye able to capitalize. Buckwild has to be triggered, but it's not in time to get the kills! Cryptic finds himself a very controlled 2-0 lead. With somebody going straight in for the Ruckus, chases them down. Put reversal up once more, and we'll find a head chop! Evil Eye shuts him down, double kill, King Bob in the net, will it find the damage? Will for the stun, but shut down by Shasha. Contesting behind the reversal does get shut down. Ging with dimensional link is enough to stay alive for a second, but overtime is ticking. Green Team Cryptic clean up at the end, and they claim victory 4-1 here at DreamHack Valencia, the Paladins Summer Premiere. Waouh, c'était lourd, la finale paladin, bref, des super bons moments. J'espère aussi que vous avez kiffé la première partie de vidéo, parce que franchement, on a bossé pendant plus d'un mois, presque deux mois. C'est des très très bons souvenirs pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On arrive au drama, n'hésitez pas en tout cas, les pouces bleus, les partages, etc. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. C'est important, ça m'aiderait grave, et c'est une de la vidéo qui a été le plus bossée de ma chaîne. J'ai eu beaucoup de pression à la sortir, j'espère que vous la partagerez les potes. Bref, on arrive au drama, le drama c'est quoi? L'expérience d'hôtel, la pire de ma vie. Au début j'arrive, je vois 5 étoiles, je fais ouais, je commence à compter les étoiles, je fais 1, 2, 3, 4, 5, je me disais j'ai pas assez de doigts et tout. Donc le premier soir, j'arrive, je pose mes affaires, il est super tard, je viens d'arriver de... Le premier jour est le 9e roman de Marc Lévy, sorti en juin 2009 aux éditions Robert Laffont. Google est venu me dire que premier jour c'est un livre de Robert Laffont, les gars. Bonne info, merci Google. Google, comment on fait les pancakes? Non, ta gueule, ferme ta gueule. Par contre, c'est moi où je me sens ma Wolverine là. Je me suis mal rasé, mon pote. Je dirais Wolverine, mais sans les muscles. Donc, un premier soir, j'arrive, je pose mes affaires, normal, je commence à m'allonger, hop, je roupille. Je me réveille le lendemain matin, tranquille. Donc là, je vais voir mon petit déj, normal. Et là, j'arrive dans ma chambre, et là, je teste ma carte. Et là, ma carte, elle marche pas. Faut comprendre que dans les cartes, dans les hôtels en général, maintenant, c'est plus des clés, c'est des cartes magnétiques. Je vais voir la réception, je fais bonjour, mes deux cartes marchent pas. Donc là, le réceptionniste en mode secouriste, c'est parfait. Il fait, j'ai la solution. Donc là, il prend la carte, il la remagnétise. Il me fait vas-y, allez tester celle-là. Maintenant, ça devrait marcher. Je reteste la carte marche toujours pas. Donc là, je redescends et je fais monsieur, ça marche toujours pas. Donc machin. Donc là, il vient avec moi. Il arrive, il teste la carte de super réceptionniste. Donc la super card. Il la teste et. Ça marche pas. Donc là il me fait ah pas de solution. Donc c'est mort. Et là je lui dis attends non mais là du coup je dois aller bosser. Sauf que j'ai ni mon portefeuille, j'ai ni mon matos, je peux même pas prendre le taxi, j'ai pas mes caméras, j'ai rien. Il me fait ouais, pas de solution. Il me fait ça prend un peu de temps. Et je fais non mais un peu de temps ça veut dire quoi? Parce que là j'ai quand même bien baisé quoi. En gros il me dit unlucky, voilà, donc pas de chance, voilà, pas de bol. Et je reviens le soir, donc je vous la fais très court. Du coup ils me disent bah on a toujours pas trouvé de solution. Du coup ils sont pas restés à la réparer. Et du coup ils me disent le lendemain matin et bah laissez la porte ouverte, on récupérera la chambre et on vous changera de chambre. Le lendemain matin je dois me réveiller, je laisse la porte ouverte, je descends à la réception, je fais excusez-moi, j'ai laissé la porte ouverte, donc let's go. Donc du coup, il me change de chambre. Les premières galères commencent. Donc, le deuxième jour, petite galère de riche. Je me réveille en retard, du coup, les petits déj, ils les servent plus. Donc j'appelle la réception, je fais bonjour, je voudrais un petit déj. Mais là, en gros, à ce moment-là où je l'appelle, il est 11h20, 11h15. Et je fais ouais, je voudrais l'avoir 11h45 maximum. Donc après, c'est mort, je peux pas le manger. Donc et j'insiste, il me fait oui, oui. Je fais vous êtes vraiment sûr hein. J'attends 11h45, il arrive toujours pas. 11h55, midi, midi 5, midi 10. Donc là, je commence à fermer la porte, je m'en vais. Et là, au moment où je m'en vais, je vois le broom service qui arrive. C'est pour vous, machin, machin. Je fais gros, il est midi 10, frère. Donc là, je dois partir, je dois aller bosser, tu vois. Donc au final, ils m'ont quand même facturé un truc. Ils m'ont dit bah, on va vous facturer la préparation du plat. Donc là, les débuts des galères. Donc là, on est à ça des galères. Je vous la fais court, hein, parce que sinon, c'est trop long. C'est le dernier jour. Donc dernier jour, tout le monde s'en va. Donc j'ai prolongé une journée, sauf que la chambre où j'étais, c'était une chambre à 500 balles, mec. J'avais pas à claquer 500 balles pour dormir. Hein, c'est mort. Donc là j'appelle la réception, je fais bonjour, j'aimerais savoir la chambre la moins chère. Parce que bon, 500 balles, merci, mais non, il me fait 220 euros. À ce moment-là, je te cache pas, j'ai la grosse goutte, tu vois, qui fait comme ça, je fais Et je me dis, bon, ok, j'accepte parce que ça m'évite de changer d'hôtel, ça m'évite encore d'autres galères, etc. Mais je te cache pas qu'à ce moment-là, j'ai quand même l'impression d'avoir fait tomber mon savon dans une douche d'une prison. Bon, je fais ok, vas-y, let's go, on y va. Je descends en bas, je fais bonjour, réception, je vous ai appelé, j'ai tourné la carte 208. Donc là, il me fait la carte 208, je monte dans la chambre. Donc là, j'ouvre la chambre, je m'allonge dans la chambre, hop, je mets peinard. Je me mets en mode sieste et je commence à faire une sieste. Et là, la chambre elle s'ouvre. J'entends des talons. Et là, je me dis, wow, bingo mon pote, c'est bon signe. Et là, j'arrive, je vois une dame. Là, je lève les yeux, je vois qu'elle a 45 ans, 50 ans. Je me dis, ou ça, j'ai pas signé pour ça mon pote. Tu vois, il y a un mec derrière. Et je me dis, ah, alors ça, par contre, j'ai pas signé pour ça du tout, ça c'est sûr. Et donc là, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, la meuf elle fait, oh my god, quoi, elle me connaît ou quoi? Je vois qu'elle sort, donc elle est un peu gênée. 3 minutes plus tard, un autre mec qui rentre. Et là, il regarde, il voit que je suis là, il repart aussi. Je fais, attends, mais c'est quoi? Je suis en vis d'appartement ou quoi là? Genre, j'ai l'impression qu'il y a Stéphane Plaza qui va arriver, qui va me dire, ok, donc bel appartement, bel espace. Ça claque, ça claque, ça claque. Et donc là, 5 minutes plus tard, il y a la manageuse qui arrive. La manageuse que j'ai croisée lors des premières galères en fait. Elle m'avait dit, en gros, va te faire, tu vois. Genre, elle m'avait pas remis bien. Tu vois, la manageuse, je me suis dit, bon,
c'est déjà pas ma pote, tu vois. Et là, je la vois, et là, elle me regarde, elle fait les bras comme ça, elle fait « What are you doing in this room ?» Avec un accent anglais, tu vois, terrible, mais au moins, elle parle un peu anglais, tu vois, mais bon, voilà. Alors oui, alors à noter, hein, en Espagne, les gars, on était à Valencia, les gens parlent pas anglais, là-bas, c'est une LV5, mec. Genre, vraiment, l'expression « parler comme une vache espagnole », mec, ça n'a jamais été aussi vrai. Donc là, la manager, elle commence à me parler. Et là, elle commence à se venir sur moi. Elle me fait ouais, what have you done with the card? Attends, je fais mais rien. Elle me fait non, mais suivez-moi. Donc là, je vous la fais quoi? En gros, on parle pendant 15 minutes. Je lui explique, en gros, j'étais à la réception. Elle me croit pas. Elle me dit non, c'est pas possible, tu mens. Je fais non, mais attends. Et là, je me dis non, mais stop quoi. Donc là, elle me dit assieds-toi ici. Au bout de 35 minutes à peu près. Et là, elle revient avec un mec des forces de l'ordre. Je me dis attends, mais c'est quoi cette merde? Je me dis attends, mais quoi? Là, je pète un câble. Je me dis non, mais attends, c'est une blague. Et là, elle dit devant le mec des autorités. Elle dit explique-lui ce que vous avez fait parce que c'est très grave. Avouez. À ce moment-là, la meuf, elle sous-entend que je l'ai volé ou que je l'ai piraté. La meuf, elle a cru que j'étais Monsieur Robot, quoi. Elle a cru que j'étais en train de pirater la carte. Ok, je vais hacker l'hôtel, je vais changer tous les codes de l'hôtel. Elle me dit ouais, on a eu aussi des problèmes avec la clanche. Non, mais je fais non, mais stop. Et à ce moment-là, la manageuse, faut savoir qu'elle me regarde comme une merde. Elle me regarde comme une sourasse. Hein. Et elle me dit mais vous vous rendez pas compte, vous avez énervé des clients. Donc déjà première chose, elle me considère pas comme un client. Et deuxième chose, elle me considère que je suis pas énervé. Alors que là, j'étais furax. Et là, je lui rappelle toutes les guerres que j'ai eues. Je fais donc là, j'ai eu ça. Vous croyez vraiment que moi, je suis pas énervé? Vous croyez vraiment que j'ai pas de raison de l'être? Et donc là, ça suit 20 minutes d'explication où je lui rappelle encore une fois que j'ai été voir la réception. Où je lui dis, j'ai été voir cette personne qui m'a donné la carte. La personne, elle valide, etc. Donc là, elle voit que c'est son erreur à elle, tu vois, elle voit que c'est une erreur de son hôtel. Et là elle botte en touche, mais là mec, elle botte en touche, mais d'une force gros. Elle aurait pu mettre une transformation, mec, elle aurait mis le but de sa vie gros. Le mec des forces de l'ordre comprend que j'ai rien fait, y a pas de problème, il me laisse tranquille. Là la meuf, elle botte en touche de ouf, elle me regarde mais elle me respecte pas. Donc là on finit, à la fin forcément je fais le crevard, tu vois, je lui dis bon, avec toutes les gares que vous m'avez causées, si je peux avoir au moins un geste commercial, ça me semble être la moindre des choses, tu vois. Bon là j'ai perdu en tout et pour tout au moins 3-4 heures avec toute leur galère. À ce moment là elle botte encore en touche, elle me dit encore un plus gros va te faire. Et donc là, à la fin je peux rien gratter, je vois que c'est la misère, mais je lui demande quand même une précision. Je fais est-ce que avec la chambre à 220 euros, est-ce que au moins j'ai le petit déj avec, est-ce que c'est compris dedans? Elle me fait oui c'est compris dedans. Je fais bon ok bon bah tant pis, c'est pas grave. J'ai mon avion le lendemain matin. Du coup le lendemain matin je me lève. Je suis un peu ricrac en termes de timing. Du coup j'ai quand même payé une chambre à 220 balles. Le petit déj j'ai compris, je vais quand même le prendre. Donc là je descends en bas, je me prends juste un chocolat chaud et un pain au chocolat parce que j'ai pas le temps. Je prends mon pain au chocolat, je le mange en partant. Je pars et là la meuf elle me fait la meuf du petit déj, hein. Elle me fait monsieur, faut payer le petit déj, il est pas gros dans votre chambre. Et je fais non mais attends. Et là je me dis quoi? Je me dis non mais c'est une blague. Donc là vraiment la manageuse elle m'a pris, mais j'ai pris trop cher. Vraiment elle m'a pas respecté. J'ai pas le temps, je dois partir donc je paye. Et je me dis non mais attends, 14 euros pour un chocolat chaud. J'espère que ça vous a plu les amis, j'espère que la vidéo vous a fait marrer et que vous avez passé un bon moment. Ça nous a pris beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager un maximum et à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des gares similaires ou quoi. En tout cas voilà, j'ai passé vraiment un bon moment malgré ça, je garde un super souvenir. Plus tard je pense que l'hôtel j'en rirai, ça me fera des histoires à raconter quand je serai plus vieux. A bientôt, ciao. J'ai testé les spécialités berlinoises.